Nous te fais voir nos rivets devant trop nous, pour t'étendir. Et merci, Seigneur Dieu, pour reconstruire au bon nom, reconstruire à côté de nous. Seigneur, merci parce que vous avez l'opportunité pour nous avoir fini à notre frère dans le temps pour nous. Pour nous avoir fait le service temps, pour nous avoir continué. Et continuez de bénir les serviteurs, les servants, pour nous avoir l'opportunité de nous avoir assuré maintenant, Seigneur, semaine de 20 ans. Et continue de bénir, continue de porter, continue de grâcer. Merci Seigneur parce que déjà nous portons sur un nouvel ça, sur la vie. Merci Seigneur parce que nous portons sur un nouvel ça, sur la famille, sur la vie famille, sur la vie petite, sur la vie madame et mariée. Seigneur, on va donner des sages paroles. Seigneur, parole ne va jamais tomber au côté de ma faire une fête. Il y a un côté la tombe, la tombe la plus cancer, mais la commencé à grandir par finir. Mais il y a un côté de tombe, la tombe 100 fruits, la tombe 200, la tombe 500. Seigneur, que la vie de la volonté est préparée et disposée, disponible pour recevoir la parole. Parce que les paroles sont finies tomber dans la vie, il va tourner la bouche pour la parole, il va tourner dans le sol, ça va faire une tête de le faire. Seigneur, c'est toi qui vas parler avec lui, accompagner lui, et continuer à utiliser les journalistes qu'on utilise déjà. C'est la prière que nous avons laissé à court. Dans le Seigneur Jésus-Christ, pitié de ta vie pour le temps, pour le temps. Et bien aimé, Père et grâce, on dit avec nous. Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toujours un plaisir pour mon papa, ma place là. Mon papa, partager le message de la parole de Dieu dans les peuples, mon Dieu. J'allais aller très fort. Il priera déjà tout le temps. Fidèle, nous avons besoin de patience et nous avons attendu le message de la parole de Dieu. Bon Dieu, bienvenue. Amen. M'appelez 3 versets, c'est verset 20 jusqu'au verset 22. Même lecture qui se fait maintenant. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. La science. Merci. Matthieu 26, verset 20 jusqu'au verset 22. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Verset 22. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez appris le terme oui maintenant? Madame de nom? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Oui, mon petit. Alors, par contre, j'ai appris, mais moi, je ne sais pas si ça va donner, c'est. Ça veut dire cœur, ou bien refrain. Est-ce que c'est moi, même? Est-ce que c'est moi, même? Est-ce que c'est moi-même qui va trahir là? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est moi-même qui va trahir là? Amen? Amen. Est-ce que c'est moi-même? Alors, interrogation ça. Livini dans un moment côté Jésus-Christ lui a mangé avec les 12. Vous pouvez comprendre que vous avez mangé avec vous. Donc, une relation avec vous. Le mot qui est fort, nous ne pouvons pas venir dans
terminant mais dans le texte là, mot qui fort c'est trahi. Jésus a mangé avec les douze. Au lieu de Jésus a dit, mais c'est mangé à bon. Bon état, monsieur, amen. Faut manger. Il va quitter le reste. Et Jésus va là dire un bon. Qui va porter une réflexion profonde dans la vie chaque disciple. Côté Jésus va dire, yon nan nou va trahir. Dans le passage, ça, mes bien-aimés, nous jouons le mot trahir, qui est pour définition livré, ou moins abandonné. L'autre monde trahi, c'est un monde qui est livré, des fois qu'il livre physiquement, ou bien livré secret qu'on est partagé avec. Il l'a gagné dans la rue. Il va dans le monde en secret et autant de dans bouche l'autre monde. Donc on dit le monde ça il trahit. Ou bien il a abandonné. Donc, livrer quelqu'un, ou bien abandonner le monde, c'est là que le monde n'a pas de confiance dans vous. Il t'a fait confiance. Les partager secret la veille, les d'abord faire route la veille, les connaître ses amis, les pas faire au secret, et puis un bonjour, vous avez l'oubli. Donc c'est livrer ou abandonner quelqu'un à qui on doit fidélité. Jésus n'est pas seul monde qui subit trahison. À travers la Bible, nous avons un pire monde dans la Bible là, qui subit ça, la trahison. Et c'est ça que nous avons vu avec nous. Pas seulement Jésus qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, qui voit le monde trahir, mais ça a tout été fait. Le monde a trahi le monde. Mais le premier bataille, vous pouvez comprendre. Pour une trahison, il faut te gagner amitié. Amen. Et si elle nous a trahi, il ne va pas trahir dans sa voix. Il ne va pas laisser qu'on va la monter, il va venir pour la faire, il va venir en l'eau, il va faire. Sous le groupe Assemblée d'Église, l'homme de voir un message. C'est un jeune pasteur. Il n'est pas en Haïti, c'est tellement dans la zone Afrique. Et sujet message, c'était un ennemi vaut mieux qu'un ami hypocrite. Autrement dit, mieux vaut un ennemi qu'un ami hypocrite. L'éponnement ennemi ou quoi pour précaution à elle? Les gens qui ont été mis, ils ne sont pas en mieux. Pour être tamponné, pour ne pas parler de toi au Bali, mais longtemps que vous avez un ami. Et puis, un ami, ça a une hypocrisie avec vous. C'est le grand danger. Donc, pour que trahison, il faut gagner amitié. Pour que trahison, il faut gagner amitié. Pour que trahison, il faut que tu aies confiance entre les gens. Pour capable de gagner la trahison. Nous avons à travers l'histoire de la Bible, mes frères et sœurs, il y a un pile de monde qui te fait bonne confiance et puis qui subit la trahison. Nous avons cinq exemples de trahison que nous voulons partager avec vous, bien que ce soit des liens à la campagne qui sujet. Terminant, c'est la trahison de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament,
nous voyons qu'il y a plusieurs mondes qui ont subi la trahison. Le premier monde, c'est une madame qui est Dalila. Avec un monsieur qui est comment est-ce que c'est? Les amis, Dalila, son nom est Bible, par rapport à notre monsieur là. Il est comment? Samson. Dalila, c'est madame Samson. Vous connaissez très bien l'histoire de la vie Samson. Samson, c'est un monde que bon Dieu t'a choisi pour une mission spéciale. Et Samson, ça, t'es tellement de puissance solide. Samson, t'es tellement de force. Pas gagner aucune force qui t'est capable de gagner Samson. Quel que soit armée qui t'est paré devant Samson, là, bas, tout. Quel que soit chaîne de marée, Samson avait. Samson a brisé avec puissance à la terre. Mais malheureusement, Samson fait rencontre avec un Philistine. Il remet, il fouille. Malgré que les Juifs ne pas de marier avec. Et Samson, qui était l'amour à la veille, il marié avec Delila. Et Samson qui c'est juif, Delila qui c'est philistine, il n'est pas pour Israël, il n'est pas pour juif, il n'est pas dans les formes, il est pour philistin. Et philistin est toujours en guerre avec Israël. Et Samson comme juif à l'époque, il était une force qui était empêchée philistin. Et victoire sur l'armée d'Israël là. Et puis le Seigneur cherchait tout côté, cherchait toute bagaille de Samson. Mais on ne sait pas comment faire. Depuis Samson, libéré en passion, il n'y a pas de battre. Et puis les gens apprennent, depuis là, c'est un Philistine. Ils ont arrangé avec. Mais maintenant, on va tout réveiller à ce moment-là, depuis longtemps, il y a des complots. Depuis longtemps, complot est toujours à faire sous le monde. Philistins ont joué avec Delila. Ils ont arrangé avec pour Samson, Baal, madame, secret qui fait des puissances à souri. Et soit les juges, spécialement le juge, chapitre 16, regardez dans verset 16 à 21, on va voir effectivement. Delila va le prendre cœur Samson. Et Samson va livrer ce secret qui fait une puissance à lui. Comme nous toujours pas plus tard, il y a des textes là où Juge, chapitre 16, verset 16 à 21. Et les Delila fin connaît qui raison qui fait Samson de puissance à. Delila font démarquer. Là, je vais Philistin dit, mais secret ça a besoin. Et depuis Delila qui baille secret, les Philistins ont failli Samson. Premier ça a fait, c'est retirer sa qui cause. Samson qui est puissant ça, à savoir cheveux. Samson perd des puissances. Ils ont arrêté Samson. Ils ont pété tous les jeunes en tête Samson, ils ont marré Samson dans la bête. Ils ont fait Samson travailler dans la bête. Parce que madame Samson était là. Donc la trahison, c'est un gros bataille. Et ça fait Jésus, il va montrer parmi les douze que lui-même nous choisit. Il y a un homme qui va trahir. Deuxième monde que je choisis, c'est Absalom. Absalom a trahi David, son père. Petit trahi par papa.
2 Samuel chapitre 15. Verset 10. Oui, non, verset 17, je vais dire ça. Et bon, on a gagné du blé pour basta dans la vie, pour l'état, pour le royaume dans la vie. Lui-même, lui, pour lui proclamer tête, lui. Ou bien auto-proclamer tête, lui. Et David, lui, pour côté David, l'origine en marron. David a caché à cause de petit blé Absalom. Ça, c'est deuxième trahison. Troisième, pour nous joindre, qui subit la trahison, c'est Joab. Il subit la trahison par un homme de Jéhu qui trahit Joab et tue Joab. Joab c'était roi. Et Jéhu c'était le nom chef de la ville. Il trahit Joab. Il tue. Troisième trahison. Et dans ce testament, les trahisons nous choisissent les serviteurs du Joas. Alors pour Jéhu, c'est 2 Rois 9, verset 14 à 21. 2 Rois 9, verset 14 à 21. Jéhu a trahi Joab. Il a tué. Les serviteurs de Joas formaient une conspiration ou bien un complot contre Joas et tuer Joas, qui est roi encore. Selon 2 Rois chapitre 12, verset 20, je vais dans verset 21. Donc bien-aimés, ça crée les complots, ça crée les trahisons, ça crée les traites. Parce que le peuple-là s'est trahi. Tu sais, livrer au monde, abandonner au monde qui te font confiance. Et voilà Jésus, dans le ministère, il choisit, combien 12 hommes, 12 apôtres. Côté au tout, côté avec Jésus, côté Jésus passé, les 12, ils ont là. Ils ont donné toute la vie Jésus, ils ont donné toute l'histoire à Jésus. Et ça ne faut pas loin. Même Judas était tellement collé avec Jésus, c'était tout côté avec Jésus. C'est Judas qui bien dit que monsieur, eh bien, on connaît qui lié la gloire de Jésus même, dans le lieu de jardin de Jésus Maria, et puis dans la gloire de nos moments. Donc il était lion parmi les 12 et au bien pour les dire manger avec Jésus. Et voilà, Jésus va dire. Alors question, à savoir, est-ce que c'est vrai? Il était porté les 11 à réfléchir. Que la question était comment pour être avec Jésus depuis 3 ans et demi avec Jésus, il raconte toutes les paroles, il dit toutes les bagailles, il parle secret avec nous. Comment il y a un homme qui a fait trahir? Mais la question était Dieu. Et on va demander Jésus, est-ce que c'est moi? Ils ont la même chose à demander Jésus, est-ce que c'est moi? Ils ont la même chose. Et comme il est dit, Jésus va dire catégoriquement, nous nous implantons au pain dans le plat là. Nous ne sommes pas en train de Jésus a dit ça. Judas nous au pain là, tremper. Et ce même Judas va le questionner maintenant. Il va dire, mais est-ce que c'est moi-même? Quelle hypocrisie, mes frères et sœurs? Quelle hypocrisie? Et Jésus va dire, c'est vous-même qui? C'est vous-même qui dit. Eh bien, mais question ça a souhait. Est-ce que c'est moi? Ça qui arrivé pour poser question parce que tellement bien là de vous poser pour que vous ne comprenez pas profondeur pour que vous ne comprenez pas dimension question ça arrivé dans la vie au monde mais qui t'a dit Judas te joint plusieurs occasions
pour te dire bon, n'a pas le faux bagage, mais puisque tu as connu, tu as quitté ça. Parce que tu ne sois pas j'ai là fait plan dans tes filles pour le manger Jésus. Et en plus, tu as dit, je n'ai pas de temps de dire que tu as arrêté Jésus. Pour lui-même, Jésus a dit de s'échapper, l'a fait comme la suppression, je ne vois plus de marchandises. Mais là, tu as dit où est Jésus, qu'on est. Quelqu'un pour faire action. Moi, je pensais que Judas a dit, il dit, bon, désolé, il va être vague. Mais on connaît même bien les professeurs. Judas n'a pas été vague. Et ça fait Judas n'a pas été vague. C'est parce que Judas est en force à mener. Ça fait Judas n'a pas été vague. C'est parce que l'action Judas n'a pas fait. Lui déjà écrit. Et puisque lui écrit, pas de rien qui empêche d'arriver. Et ça vous comprenez, si Jésus va le dire avec les apôtres, il va dire, vous les douze, est-ce que c'est pas pour nous choisir? Elle lui dit, oui. Et bien, dit, non, mais quand nous l'avons, on dit à Bladin. Jésus est obligé de choisir un homme qui gagne la vie, qui est cœur dans les Satan. Pour Satan, utiliser pour être capable de permettre à ce que Jésus lui mourir pour nous la vie est éternelle. Amen. Donc, en même temps, nous sommes dire, Judas, rends nos services. Mais si Judas est intelligent, il avait utilisé le même service également pour faire tourner en faveur. L'être humain est au Jésus. Pour qu'il s'appuie, lui-même, tout le détail. Il y a des détails. Parce que vous ne pouvez pas conduire. Bah, on est comme ça. Mais quand tu veux que tu vas le proposer, ah, d'accord, il y a un problème, tu veux tourner à Jésus. Bon, Dieu n'a pas fait tout. Maintenant, on parle déjà à Jésus est bien dit. Petit blanc, je vous livrer, mais malheur à mon pape, dit à pire aussi, vous n'avez pas de gens fait. Pour ça, capteur, comme ça. Donc, bien aimé, Judas, il trahit Jésus, bien simplement pour trahir Jésus. Et nous lit dans Matthieu, chapitre 26, verset 14, à verset 16, nous avons des Judas et blancs. Judas est en d'avance à rejoindre les sacrificateurs. Il apprend comment sacrificateur, t'as réuni, mais tes mains sous Jésus. Là, le côté, pour Dieu, qui ça n'a pas moi. Pour livrer Jésus à nous. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16. Matthieu chapitre 14, verset 10 à 11. Luc chapitre 22, verset 3 à 6. Judas, il conspirait, il fait un complot pour lui arrêter Jésus. Assoyez-vous, bien-aimé. Oui, il y a valeur pour mes petits. Est-ce que c'est moi, c'est que qui va trahir là? Il y a valeur pour nous aujourd'hui avec mes petits. Parce que nous, Delila qui marie avec un garçon, il trahit la soeur de Dieu. Combien maintenant? Dans une bagarre d'appeler de nouvelles. Nous avons une famille de l'autre bord, qui deuxième encore à la famille. Il y a un arrangé à l'autre monde pour le faire capturer, il va les dire moi. Voilà, moi tellement bien, il ne peut pas les dire.
pour capturer, pour mettre de côté pour demander l'argent. Vous avez ça trahi? Trahison. Madame Marie, ça me sont trahi. Combien madame Marie trahi Marie? Parce qu'il y a alliance de fidélité. Il n'y a pas de combien Marie trahit ma madame yo, parce que alliance de fidélité, il n'y a pas de bête. Je dis, c'est pas en face Jésus m'a dit, c'est vrai. En face, on m'a trouvé pour dire, c'est vrai. En face Marie, on m'a trouvé pour dire, c'est vrai. En face madame, on m'a trouvé pour dire, c'est vrai. En face maman, papa, on m'a trouvé comme jeune garçon pour dire, c'est vrai. C'est là ça, question ça a bien sens pour nous. N'entend pas comme je dis. Mais joignez Jésus pour l'arrêter dans moi, jamais. Joignez Jésus pour faire l'argent avec elle, jamais. Mais Joseph a dit qu'on a fait l'argent avec nous, Jésus. Avec nous, Jésus a fait quoi? Chargez pas ce qu'on a fait l'argent sous nous, Jésus. Mais nous, Jésus a fait l'argent. Vous cherchez l'argent? Vous jouez l'argent? Vous bâtissez l'église? Vous mettez les jeunes et puis nous avons fait. Au nom de Dieu. Mais pas oublier, bien-aimé. Monde ça a trahi Jésus dans la dimension ça. Jésus m'a dit qu'on joue la privée. Là, vous avez la liberté. C'est pas ça, oui. Et vous avez mis là, non, oui. C'est pas des mots, non, pas guéri. Jésus m'a dit que je ne suis pas dans mon. La chambre de l'homme. Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui va trahir? Est-ce que c'est moi qui va trahir? Il y a plus que je dis à ton ministère en ville. Pour être là, je n'ai pas le ministère. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Assurément, tu dis bon. Merci, mon Dieu, nous ne pouvons pas trahir Jésus parce que. Il n'y a pas de vous mourir encore. Mais maintenant, vous n'avez pas trahi pour tout y aller. Vous avez trahi pour traiter l'église. Vous avez trahi Jésus pour traiter une famille l'église là. Mais vous besoin de prendre précaution dans le langage, vous besoin de prendre précaution dans la parole, vous besoin de prendre précaution dans l'action. Eh bien, mes frères et sœurs. Combien de fois nous avons commencé l'évangile, nous avons commencé. Comme si nous avons zèle pour nous servir, pour nous être convertis. Sans zèle, nous n'avons pas de temps. Quand nous avons prié, nous avons l'église, là, c'est nous-mêmes. Nous avons un groupe à chanter dans la chorale. Nous avons raconté tout et de tout. Et après un petit temps de problème, nous oublions Jésus. Je vais raconter l'histoire, ça nous dit ici, déjà, le monsieur était converti. Entre parenthèses, il était converti. Mais dans le quartier, le jour dans le quartier, on va à l'église et puis finalement, il n'y a pas bon pour lui. Et puis quand on va dans le quartier, on va vous manger. Il y a ces chicas là, on ne sait pas les manger. Chaque fois, ça va avancer chaise, il vibre, on ne va pas manger parce qu'il est dans le quartier. Et puis il y a passé sur lui, pas derrière, on va manger. Et monsieur, en fait, c'est à manger. Et puis quand on va dans le quartier, on va manger. Il faut être papa, on va se manger, tu vas manger. Il faut être abandonner le mystère, tu as abandonné la foi. Ça fait, apôtre Paul lui dit ça à Timothée, dans le dernier temps, nous parlons combien ça veut dire apostasie, c'est le monde qui a abandonné la foi. Tu vas croire en moi. Donc, assoyez-vous, mes bien-aimés. Est-ce que c'est moi qui sens lié pour la vie, nous? Assoyez-vous. Question ça. Qui sens lié pour la vie, nous? Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui m'a abandonné ou dans quelque part la vie là? Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui m'a chuté dans quelque part la vie là? Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui m'a abandonné ou
c'est Jésus trahi. Et pas prier pour ça, Jésus est venu. Jésus est venu pour sauver l'homme en bas péché, en bas condamnation. Et même pour ça, Jésus a passé maintenant tête, a retiré grâce sur vous. Même j'en pourrais que la lésie, tant qu'il faut être doué, quand il mange dans la bouche noire, c'est une monnaie. Et c'est Jésus qui a arrêté de faire des sœurs. Vous allez abandonner. Vous allez livrer. Judas va accomplir trahison lui. Dans Matthieu chapitre 26, verset 47 à 50. Marc chapitre 14, verset 43 à 52. Luc chapitre 47, verset 53. Et Jean chapitre 18, verset 1 à 11. Tout texte là, tous les quatre évangélistes, ils ont parlé sur comment Judas, l'été qui fait complot, il fait plan, il touche l'argent, les moments arrivés, effectivement. La Bible dit, Judas rejoint le prêtre. Pendant Jésus dans le jardin, je suis marié. Les Jésus là, ils ont fou le monde qui a fini. Judas dans la tête de l'islam. Judas devant. Et Judas n'a pas fait une occasion pour la direction de mes abandonnés pour courir. Il plaque l'argent pour courir. C'est l'heure. Soldats vont avancer sur Jésus. Et puis Jésus va dire Judas. Oh, Judas. Judas n'a pas quand même fait action. Non? C'est à qui on beau pour trahir petit l'homme. Parce que Judas fait quelque part ici. Mais comment la connaît qui est-ce qu'on mettre sur lui? Mouno est embrassé. Est-ce qu'il y a nous qui est embrassé ou même aimé? Parce que Judas c'est des amis. C'est des sangs Jésus. Judas ne pas embrasser le mal. Nous nous voulons embrasser pour gloire, c'est lui-même. Jésus n'a pas Dieu qui est en colère. Judas, avance sur lui. Judas, c'est avec nous bon pour mal trahir, petit l'homme. Là, on peut Judas t'appeler les sur lui. Judas t'appeler les réponses. Vous voyez, Judas a dit, monsieur, marie nous plutôt. Mais force à terrible, pas. Et Judas avance mal, mais ça veut dire que c'est ça. Judas avance. Il a embrassé Jésus. Il gauche Jésus. Combien de faux bombes l'église aujourd'hui avec les méfaits? Combien de faux la paix croyez le menu aujourd'hui à l'église? On peut faire un chita dans le bon ou bien qui est dans le bon? Est-ce que vous savez pour nous parler avec elle? Parce que si vous avez dit que vous avez dit que vous nous ne sommes pas par là, nous ne sommes pas chita dans le ça. Est-ce que nous allons à l'église pour nous raïr l'autre? Sous dans l'église pour nous raïr l'autre, pour nous raïr frère avec soeur, ou trahir Jésus? Jésus qui dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc sous ta ouais, ou Seigneur, quand il faut sourire, quand il faut baiser, vous êtes en train. Et si vous êtes Jésus, vous avez même pas la vie de la en plus, il fallait dans les passions de Christ. Vous criez. Mais on a crié à cause de passion de la vie. Douleur Christ a subi, la souffrir. Douleur nous elle apprend. Tribulation nous elle apprend. Humiliation nous elle apprend. Nous criez. Matin, maintenant, Jacques Esther, que je m'en ai eu une loi tout le jour. Elle a fait des couronnes piquantes. Elle a expliqué frère qui t'a battu Jésus. À qui ça a été composé. C'est pas la seule des mêmes, elle a fait ça. C'est matinette. C'est forme matinette qui est. Il y a quoi pour racheter pour Jésus. Il y a une boule là-dedans. Pour péché dans les coupes. Pour les casser. Pour violemment fouler. Moi, je vais mourir. Mais on va prier avec les deux petits soeurs. Gardez la vie où est. Est-ce qu'on va y avoir un parisaïo qui a continué de trahir Jésus pour l'autre forme? Pour trahir Jésus, l'on va pas mes frères. Parce que Jésus est mort pour l'autre.
pour trahir Jésus. L'on va respecter l'engagement mariage là. Pour trahir Jésus. L'on l'a bien abandonné de toi, petit soubral. Pour trahir Jésus. L'on a abandonné monsieur là. Peut-être que tu es bon, ou bien tu es bon, ou bien tu es une jeune femme ou un jeune garçon. Pour trahir Jésus. Parce que mariage, c'est mon télétable. Et les garçons besoin de fidèles à Madame. Madame a besoin de fidèles à Marie. Pour trahir Jésus. Pour trahir Jésus. Lors de mon travail, vous devez faire. Vous devez préférer à ce travail par vous. Vous devez préférer. Pendant ça, vous avez des affaires par vous. Vous devez dire, vous devez dégager votre service là. Pour aller des affaires par vous. Pour trahir Jésus. Est-ce que c'est moi, Seigneur? L'un de vous me trahira. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Je vais même vu que vous nous asseyez. C'est que nous prenons précaution dans la relation avec vous. Prenons précaution dans le fonctionnement. Prenons précaution dans les nouveaux amis qui racontent nos secrets. Je t'ai appris dans le monde avec Marie, qui va faire la confiance, Madame va faire la confiance pour raconter les secrets. Racontez soi, monsieur. Là, je ne vais pas conclure, malheureusement, tu es mauvaise, mauvaise idée, tu l'as le volant. Mais quoi, c'est madame, mais bon, tu vas dire ça. Si chéri, mon cher, ça va venir avec la là, on va cacher tous les volets de volets. N'est-ce pas? En tout cas, tu m'as dit, merci au Paris. Et puis, on participe, on mange, on reste, et on jouit ça, tu es volé. Et puis, il y a un bonjour. C'est notre petit compte à madame. Mais oubliez de se lever à côté de madame à cause de ça. Et puis le chiffre madame dans le sabot. Madame a dit attention. Attention, pas bien sortir des dîmes. Le jour où mettez mes sous moi encore, pour lever mes sous moi encore, m'a fait tout pour nous connaître son gros volant. Et c'est la mission à ce que j'ai déjà. Il y a un moment dans la vie avec madame, il ne va pas faire secret avec. Il ne va pas raconter le secret. Il y a un moment dans la vie avec Marie, il ne va pas raconter le secret. Il ne va pas faire ça pour nous, l'église. Nous sommes chrétiens, pas nous gagner secret en Marie et ma, mais il faut nous fier fidèle. Jésus livre nous tout secret. Il livre à côté tout secret. Il raconte au quelqu'un pour mourir. Comment est-ce pour mourir? Qui missionne? Il raconte au tout le bagage. Les douze amis de guerre. Mais il y en a dans eux. Vivez en volet. Nous trahir. Donc, à cela, mes frères et sœurs, nous avons une semaine pascale. Une semaine qui aura rappelé nous la mort de Jésus. Une semaine de méditation sous passion Jésus. Une semaine de méditation sous souffrance Jésus. Une semaine de méditation sous la croix de Jésus. On nous examine les consciences. Pendant la caille, posez des questions. Chaque fois, avant de venir l'église, là, vous dites, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui va trahir? C'est pas vendre la vente, c'est pas l'argent qui va le consommer. J'en savais faire du temps des Judas. Mais est-ce que par notre façon, Seigneur, dans mon comportement, m'a trahi? Et si vous avez, Seigneur, il y a une possibilité de me trahir. Aidez-moi, Seigneur, pour me tourner sous décision ça, pour me capable d'être fidèle avec vous. Parce que c'est pour moi que la croix, c'est pour moi que mourir, c'est pour moi que je souffrance ça. Je ne vais pas vous montrer. C'est à vous de prier, nous m'avons aimé pour ce même de réflexion ça. Est-ce que c'est moi-même, Seigneur? Et à soi, nous réfléchissons. Pour nous dire, est-ce que dans le coup de là, n'a trahi ou. Est-ce que dans pour Absalom n'a trahi le monde qui fait nous confiance? Est-ce que dans pour Jéhu n'a trahi le monde qui fait nous confiance? Est-ce que dans pour Judas n'a trahi le monde qui fait nous confiance? Et si vous décidez à soi, vous ne pouvez pas trahir le monde, vous garantir
Christ, lui prêt pour jeter grâce et bénédiction sur vous pour ce bien ça. Jean Pasteur nous a dit. Après ce bien, réveille ça. Vous devez ouvrir le changement du côté dans la vie. Mais pour qu'il y ait changement du côté, il faut prendre une décision. Effectivement, pour fidèle avec Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit le problème de la vie, quelle que soit la tête chargée, quel que soit le papa, même si il y a une maladie, même si ça vient la mort, nous devons être fidèles avec Jésus. Parce que c'est vous-même qui dépend la croix. Est-ce que c'est vous, Seigneur? Je ne vais pas connaître. Ou par contre, si c'est vous-même demain. Je ne vais pas contre si c'est vous demain. Mais vu que ce n'est pas nous, jamais ou jamais, qui a trahi Jésus, ou qui a trahi l'autre, que le Seigneur vous bénisse.